Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Alstronir. Je vais vous laisser quand même le petit message avant, vous jouez à la version pré-alpha d'Alstronir. Nous nous engageons à améliorer le jeu grâce à des mises à jour et de nouvelles fonctionnalités, nous basant sur vos retours. Avec le temps, cela nous permettra de créer un jeu que vous, la communauté, aurez construit avec nous. Ces mises à jour pourront toutefois causer des bugs potentiellement problématiques, bien que parfois super drôles. Pour nous aider, n'hésitez pas à rejoindre les discussions sur notre forum et à nous envoyer vos commentaires à forum.systemera.net. L'avenir s'annonce radieux et nous sommes impatients de développer Alstronir avec vous, l'équipe System Era. Je crois que c'est Systems. Donc voilà, nous allons reprendre le jeu. Je vous rappelle que ce jeu, je le fais pourquoi? Parce que actuellement, mon Elite Dangerous est complètement pété, complètement buggé. Il me faut plusieurs minutes pour lancer le launcher. Si j'y arrive, donc j'ai envoyé un report, un ticket au système. Au support, pardon, de commande du jeu. Hop, on va sortir, nous. Voilà, on reprend notre base. J'aimerais juste voir un petit truc rapidement, voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. On m'a conseillé, chers amis, de me créer un petit trou pas trop loin de la base, à l'avance, pour éviter tout ce qui est cailloux lors des tempêtes. Donc c'est une idée intéressante. Nous avions vu dans le précédent épisode, chers amis, que nous avions une source de charbon. Qui est assez rare pour le moment. Donc pour le moment étant assez rare, je vais l'enlever. Je vais la placer sur un endroit complètement random, hein. Hop. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis un petit peu renseigné sur plusieurs choses, hein. En l'occurrence, j'aimerais aussi que tu t'enlèves de là, toi. Crac. On va te bouger un petit peu, t'inquiète. Hop. Voilà. Et en l'occurrence, il me faudra prochainement ceci. Vous comprendrez pourquoi. Aluminium. Alors un aluminium, je dois pas en avoir des masses pour le moment. Résine, lithium, malachite, ça c'est du cuivre, résine, titane. Donc pour le moment, je dois pas en avoir des masses, hein. J'en ai peut-être dans mon dos par contre. Non. Alors ça m'embête de pas en avoir dans le dos parce qu'il me semblait en avoir récupéré quelque part. C'était de la pierre rouge. J'étais peut-être mort entre deux, hein. J'étais peut-être mort entre deux. On va y aller. On va y aller quand il fera jour avec ce véhicule. Ou alors non, on va y aller tout de suite. Est-ce que c'est le bon endroit? Non. Alors vous voyez qu'en termes de contrôle, il est bizarre le véhicule, hein. Hop. Ah. J'aurais évité de le casser. Crac. On va le laisser garer en fait à l'extérieur, qu'il puisse se recharger. Tout bêtement, hein. En fait, il se contrôle à la caméra. Vous voyez, si je tourne, il tourne tout seul. Donc en fait, c'est pas si bête que ça. Alors, voilà exactement ce que je ne voulais pas faire. On va le laisser garer, oui justement par là. Comme ça il va se recharger tout seul au soleil. Et en fait on va ramener un maximum de choses. Alors par contre il a plus du tout de panneaux solaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il a plus du tout de panneaux solaires? Je vais lui en mettre un. Ah c'est parce que c'est quand je les plug. C'est quand je les plug. Ok, on va le mettre comme ça. Hop, crac. Voilà, en espérant qu'il prendra le soleil le moment venu. On va aller chercher un maximum de... on peut sprinter un petit coup. Ah mince, j'ai oublié le nom. D'aluminium. Donc de mémoire... Putain. D'accord. Je l'avais dit qu'il me semblait un peu plus violent ces trucs là. Mais c'est des pics rouges qui en sortent. D'accord. Ok, fils de péripatétipute. Hop. Au passage, c'est du composite, je vais en prendre. Alors comme vous voyez, c'est ma batterie qui en prend un petit peu dans le nez là à l'heure actuelle. Pourquoi j'en prends ?
pouvoir me faire. Pas des filtres, des rallonges. D'ailleurs, j'ai emmené plein de choses qui m'étaient complètement inutiles. En l'occurrence, du carburant. Pour le moment, c'est inutile, hein, je veux dire, hein, pour le moment. Hop, ok, bon, on va partir avec ça, c'est pas grave. Hop, allons-y. Non, c'est pas ce que j'ai voulu faire. Ah d'accord, c'est parce que je me suis cliqué dessus. Un cube rouge. What? Ok, c'est très très bizarre ça. Celui-là, je l'avais pas vu venir. Si on peut... se faire un petit escalier. Ce serait peut-être pas mal. Crac. Oula, vous voyez là je glisse. Alors ce qui veut dire que je ne suis pas en mesure de remonter, si. Voilà. Alors, est-ce que là je suis en mesure de remonter? Oui, apparemment. Crac. Ok. Alors, je pense que ceux-là. Non, ceux-là sont pas plus violents que ça. On avait vu beaucoup de rouge, un gros tas de rouge là-bas. Voilà, ok. Ah, c'est assez creepy, ça comme arbre aussi. Hop. Alors j'espère qu'ils sont pas trop agressifs dans le coin. Parce que la dernière fois qu'on a voulu récolter quelque chose de ce genre là, il s'est passé des trucs violents. Voilà, hop. Crac. Il y a un truc là à récupérer. Ok. Alors. Parfait. Le problème c'est que j'ai beaucoup trop des autres choses en fait. Il va me falloir 4... Alors attends, est-ce que je peux te déplacer toi, non? Voilà, il va me falloir 4 comme ça. Ce qui veut dire que la résine à l'heure actuelle... Je m'en fous un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter. Pourquoi pas avec ça pour le moment. Hop. Déjà, on remonte très facilement, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Je vais remonter et je pense plutôt que je vais repartir avec celui-là. Parce que vous voyez, il prend deux places celui-là, j'ai l'impression, regardez en dessous. On va bien voir. Alors en espérant que le véhicule est bel et bien rechargé comme prévu. Oui, parfait. Crac. Ok, on y va. Évitons de tomber dans le gros trou. Limite même on pourrait partir directement en ligne droite. Pour l'instant, il n'y a pas de dégâts apparemment pris sur les véhicules. Et vous voyez, par contre, en plein jour, je peux me déplacer, j'ai envie de dire presque impunément. Par contre, oui, du coup, le vrai problème, c'est que du coup, à chaque fois que je fais quelque chose, je perds ce truc-là. Il va me falloir mieux que ça comme système de... Alors, attendez. Crac, ça sera sur le recherche déjà pour le moment. Voilà. Et toi, tu vas aller te brancher si possible. Voilà. Hop. Oh. Il vient le placer, c'est rigolo. À la fois, il voulait pas le faire. Pourquoi pas. Ok. Donc nous, on va faire une recherche ici.
On va faire fondre un petit peu de... d'aluminium ici. Crac, alors est-ce que tu peux bien tourner la caméra s'il te plaît? Crac. J'aimerais, voilà, le temps que ça fonde, laisser un petit peu de bordel ici. Parce que là du coup on est parti avec beaucoup trop de choses. Selon moi, hein, encore une fois. Du composite, je vais le garder. Ok. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on avait là-dedans? J'ai découvert un truc, j'ai pas vu ce que c'était. Fais chier. fais chier, fais chier. Apparemment, c'était pas là-dedans. Merde. C'est à moitié con cette histoire. Aluminium, j'en ai un. Ça me fait deux. Ça m'en fait trois. Ok. Regarde vite fait autour si j'en ai pas de laisser quelque part. Mais apparemment, non. Que j'aurais placé bêtement sur un truc. Mais non. Ah bah tiens, les v'là, mais. Ok. Ok. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les placer tout de suite. Non, c'est pas du composite que je voudrais, s'il te plaît. Merci, redonne-moi ça. Hop. Moi, ce qui m'intéresserait. Crac. Ce serait ça. Allez, il m'en faut encore un. Le problème, c'est qu'il fait nuit. Donc, je vais y aller à pied. Ce que je vais juste faire ici, c'est gagner du temps. Hop, voilà. Crac. Ah mon dieu, on a plus d'oxygène. Voilà. Crac. Tu reviens dans ma poche, toi. Hop, voilà. Et si je peux au passage... par contre, tu veux bien me câbler ou pas? Ah, apparemment, c'est là qu'on a plus d'oxygène non plus. Voilà, bizarrement. Faut que je recâble tout. C'est pas grave. Hop. Crac. Voilà. D'avoir quelque chose à boîtier plat quand même, un minimum. Et toi, du coup, je te repose. Voilà, hop. Voilà, j'évite d'avoir à rouler dessus aussi, ce serait pas mal. Crac, on est bon. Voilà, par contre, là, oui. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, c'est pas grave. Hop, on verra. Quoique le soleil se lève, peut-être y aller avec le véhicule. On verra bien en plus si c'est efficace dans le coin ou pas. Je croyais que le soleil se levait, à vrai dire. Hop. Oh, quel dommage. Wow, physique sucks. Hop. Crac. Falloir que j'élargisse aussi mon trou ici, mais c'est pas grave. Hop, c'est bon. Crac, on est bon. On est tellement bon. Il nous faudra un peu plus de... d'aluminium. Et je pense qu'on peut cheater un petit peu sur le jeu. Je sais pas si ce sera vraiment, véritablement du cheat hein, au passage. Pourquoi il veut pas me raccorder les deux là? Ok.
Qui est bizarre. Je sais pas si on pourra véritablement appeler ça du cheat. On verra. On verra, on verra. Pour le moment, on va juste récupérer tout ce qu'il y a à récupérer ici. Voilà, une de plus. Le problème étant que, apparemment, il y en a beaucoup. Et que, comme dans Minecraft, à mon avis, déconstruire au-dessus de nous, c'est pas une bonne idée. J'ai pas d'énergie, mais j'arrive à déconstruire quand même. C'est rigolo, cette histoire. Apparemment, déconstruire consomme moins que... Enfin, construire consomme moins que déconstruire. Ce qui, en soi, est assez intéressant. Par là. Qu'est-ce que c'est que ça? Malachite, du cuivre. D'accord. En termes d'énergie, on n'est pas top là quand même, hein, je veux pas dire. Hein. Nous avons donc deux malachites. Il me faudrait peut-être un dernier. Un dernier. Ah la vache, ça va pas me manquer grand chose. Ah, c'est marrant, j'arrive bien. Ah d'accord. Ah oui, ok, ça je m'en rappelle, chers amis. En fait, comme je suis bien câblé à la... Vous voyez pourquoi c'est jaune, en fait? Pourquoi c'est jaune? C'est parce qu'en fait, comme je suis câblé à la base et qu'il fait jour dehors, la base m'envoie directement de l'énergie. Ce qui est assez épique dit comme ça. Hop. Du coup, je peux absolument tout faire. C'est un poil dangereux ça, mais bon, c'est pas grave. Pas le bon bouton, Marcus. Ok, bon, c'est pas grave. Attendez, comment ça fonctionne cet outil? D'accord, je peux aplatir en partant d'une surface... D'accord, ok, compris. Je mets à niveau en fait, vous avez vu. Donc, du coup, ça veut dire qu'il m'en manque une par là. Voyez, ok, d'accord. Ok, donc j'ai cru en voir un peu plus par là-bas. C'est ça. Hop. Il m'en reste plus qu'une. Donc là, grosso modo, j'en ai plus. Il m'en reste plus qu'une balise, d'accord. Enfin, plus qu'une rallonge, pardon. Voilà, on va en refaire une. Excusez-moi, je suis encore un tout petit peu malade. C'est en train de se corriger, chers amis, c'est cool. Pardon. Crac. Chemin par là. Malachite en quantité incroyable. Je vois que ça fume là-bas. Pour l'instant, je ferais mieux de rentrer comme ça.
Pour l'instant, je ferais mieux de rentrer comme ça. J'ai envie de voir aussi sur mon camion si je peux placer plus d'une. Plus d'une, vous savez, un artefact là, l'espèce de bouboule là. On va bien voir. Vu que j'en ai un paquet à remonter. Alors, je suis désolé, j'ai plus de sang dans la jambe gauche. Je déteste ça. Cette sensation est dégueulasse. Hop. Ouf. Je suis désolé, hein, j'aime pas du tout ça. Ah non, y a que deux, regardez, y a deux points d'emport en dessous. Donc je suis baisé, je peux en emmener qu'une. Ok, pour le moment. En tout cas. Ok. Si je dis pour le moment, c'est qu'il y a une raison, chers amis. Ne vous inquiétez pas. Je vous montrerai quelle est cette raison bientôt. Aïe. M'écrase pas. Je trouve qu'il y a moyen de crever bêtement là-dessus. Hop. Et on est bon. Ou presque. Du coup, il va avoir reperdu son truc. Ah non, même pas, ça va. Cool. Ouais, pas assez retourné, c'est ça. Crac. Allez, vas-y. Hop, un petit peu d'énergie. Permets, je te prends ça, moi. Je suis coincé. Ok. Crac. Rechercher. Non, ça j'en veux pas. Tu peux le garder. Recherche. Au passage, je vais sauvegarder un petit coup. Crac. Et nous avions là-dedans. Forcément. De l'aluminium. Qu'on va aller s'empresser de placer là où il faut. Hein. Crac. Et construire notre camion. Hop. Qui a des roues beaucoup plus massives. Hein. Je veux pas dire, hein, mais. Et donc, l'objectif, pour moi, chers amis, c'était de voir si, par le plus grand des hasards... Alors déjà, oui, il va forcément se passer un truc. Voilà, d'accord, ok. Je crois que ça peut être très très cool. Je crois que ça peut être très très cool ce qui va se passer dans quelques secondes, chers amis. Hop, voilà. Crac. Est-ce que tu veux bien faire une remorque? Oh putain. Oh putain. Ok. Question. Est-ce que la remorque reste aussi longue ou... Ah, pourquoi t'es accroché? Ah, peut-être qu'il est encore accroché à l'autre bout. Je sais pas. Ah bah non, je suis con, oui. C'est une voiture qui tracte un camion. Bah non, ça marche pas comme ça, Marcus. Alors là par contre je vais pas avoir de pile. Donc il vaut peut-être mieux que je fasse ça comme ça pour le moment. Que je les écarte. Que je coupe ici. Voilà. Que je fasse ça. Que j'y rajoute rapidement un petit panneau solaire. C'est pas grave. Et là, j'ai beaucoup plus de place. Je peux même, si je veux, y rajouter un petit peu de... Putain, il a même beaucoup plus d'endurance, le camion. Peut-être qu'il consomme plus, aussi. Vas-y, bois. Juste histoire de faire une marche arrière et de le recharger tout à l'heure, quand ça va arriver. Hop. Je sais pas si ça marche véritablement, si c'est véritablement rentable, cela dit. Hop. Ma batterie. Du coup. Voilà. J'arrive
Faut pas sectionner le truc. Voilà, faut plus que je clique sur le câble en fait, pardon. Ok. Je replace ça là. Merde. Ça là. Je vais reculer le véhicule. Ah, c'est vrai, c'est la caméra. Ok. Et ensuite, je vais le placer ça ici. Hop, voilà. Et au cas où, par principe, un panneau solaire ici. Que les deux rechargent. Ok. Ok, ok. Donc je pense que je peux tracter mon rover avec mon camion. Ce qui va maximiser le nombre de places. Mais alors... vitesse grand V. Hein. Tempête ? Tempête. Ah bah tiens, j'étais à deux doigts de creuser mon trou. Hop. Alors. Voilà. Claustrophobe, s'abstenir. Et voilà, tout est propre. Il fait jour. Et je suis écœuré. Et je suis complètement écœuré. Ah ! On a combien de temps l'épisode ? 26 minutes. Eh ben, chers amis, je crois qu'on va cesser là pour cet épisode. Je pense qu'on a découvert un nouveau truc avec la remorque, hein, le principe de remorquage. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop !